Bonjour, François-Olivier, votre formateur visio. Je vais vous présenter comment rajouter des informations dans votre document et sur vos formes grâce au système de champs. Voici un diagramme de réseau local Ethernet et je souhaite rajouter à ce document, par exemple, l'information de qui est le responsable de ce document et la date et heure de dernière modification. Pour ce faire, je vais aller dans Insertion, rajouter une zone de texte. Et maintenant, j'ai accès au champ et en cliquant dessus, je vais aller dans Descriptif du document où je trouve le créateur, la description, le répertoire, mot-clé, sujet, titre, responsable, société, catégorie, etc. Je clique sur Responsable. Et maintenant, je peux marquer le nom du responsable. Je souhaite rajouter la date et l'heure de dernière modification, je fais pareil. Une zone de texte, le champ, cette fois-ci je sélectionne dans la catégorie date et heure. J'ai date et heure de création, en cours, d'impression, dernière modification. Le format de données est le suivant, par défaut, 20/04/2015. Si je vais dans format de données, je peux sélectionner ici le format. Et vous voyez qu'automatiquement l'exemple change. Mais je peux aussi très bien personnaliser mon format de données en mettant ici 4D pour mettre le jour en entier, 2D pour mettre le numéro du jour. J'efface le slash. Je mets 2M majuscule pour mettre le mois en toutes lettres. Et j'efface le slash, je mets un espace et vous voyez que j'ai maintenant la date et heure à ce format. Cela me convient, j'appuie sur OK et j'appuie sur OK. Ici, pour les différentes formes, je peux aussi leur attribuer un champ. Donc si je clique dessus, j'ai accès au champ. Et cette fois-ci, sur données de forme, j'ai différents champs par rapport à la forme. Comme vous pouvez voir, le fabricant, le numéro de série, l'emplacement, le bâtiment, par exemple ici, salle, service, nom du réseau, adresse IP, masque de sous-réseau, adresse MAC, UC, mémoire, système d'exploitation, propriétaire, capacité du disque dur. Je vais choisir fabricant et je peux marquer maintenant, par exemple, Samsung. J'ai modifié ici le champ. Si je souhaite mettre un autre champ, je peux ici, dans données de forme, lui donner un emplacement. Bureau 201, par exemple. Alors, les données de forme correspondent à la forme que j'ai ici, qui est un ordinateur. Si j'avais par exemple une autre forme, je vais rajouter dans ingénierie, génie électrique, les éléments rotatifs et fonctions mécaniques, j'ai une machine tournante. Si je vais voir le champ, données de forme, vous voyez que je me retrouve juste avec type de machine et qualificatif. Ce qui fait que je me retrouve juste. Donc ça s'adapte le champ et les objets de forme par rapport à ce que j'ai. Voilà, maintenant vous savez donc rajouter des champs aux formes et d'informations sur le document. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Visio.